J'ai aucune contre-indication sur les activités sportives. Le tout, c'est qu'elles soient adaptées. Alors, adaptées comment? Déjà, il faut qu'elles soient adaptées au niveau de la fréquence. Pas plus de 30 minutes d'activité physique sportive. Et il faudrait que ce soit une activité physique régulière. C'est-à-dire que 30 minutes d'activité physique, mais tous les jours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit non plus 2 heures un jour pour la semaine, en fait. Voilà, ce qui est important, c'est régulier, peu, mais régulier. Ce que je conseille, c'est faire un bilan au niveau de son médecin, pour que, pas forcément pour interdire, par exemple, s'il y a des problèmes cardiaques ou quoi, justement, on ne proscrit pas l'activité physique, mais c'est pour l'adapter. Parce que on prescrit une activité physique individualisée à une personne. Donc c'est pour ça que là, ici, je donne des conseils pour les gens, pour que déjà, elles s'investissent, elles commencent à aller marcher toutes seules, tout ça. Mais c'est vrai que pour faire de l'activité physique, il vaut mieux qu'elle soit encadrée par des professionnels.